comment allez-vous? On est lundi, il est 17h. Pourquoi je vous prends un lundi aussi tard pour commencer ce vlog? Tout simplement, je m'aime pas quand j'ai mes cheveux palissés, c'est une catastrophe. Tout simplement parce que ça a été la merde tout le week-end. Enfin, non, pas la merde tout le week-end. Je vous explique. Vendredi soir, vous savez que l'internet et moi c'est important. Et depuis que je suis seule, bah, c'est important aussi de... J'ai une tête fatiguée, c'est une catastrophe. C'est important aussi d'avoir internet, d'avoir les réseaux. Parce que bah, ça permet de regarder des séries. Parce que moi l'internet c'est la fibre. Je suis en train de me faire mon café, hein, en même temps. Et l'internet c'est la fibre. Et c'est l'internet c'est la télé. C'est tout ça. Et mon téléphone passe très mal à la maison. Donc je suis en edge si je n'ai pas le wifi. Donc voilà un petit peu, j'ai posé les choses. Je pense que vous avez très envie de comprendre. Vendredi soir, j'étais à la maison tranquillement et je me rends compte que il devait être 22h et des boîtes. Je me rends compte que j'ai plus de wifi sur mon téléphone. Et puis bon, bah, j'allais aller me coucher, donc je me suis dit bon, bah, écoute, c'est pas grave, il doit faire des travaux sur les réseaux, ils font ça nuit, c'est pas bien méchant, on verra demain, et puis voilà quoi, c'est pas grave en soi, 22h30, tu vas te coucher, et puis basta. Donc je me couche, prends mon livre et tout, basta, nickel, tranquille. Samedi matin, bah, rebelote, toujours pas de réseau, donc je me dis, j'aime pas trop ça. Et donc je continue ma vie, j'avais des choses à faire, le ménage, je voyais mon chéri le soir et tout, donc voilà, j'ai fait mon ménage, j'ai fait mes cours, j'ai fait des petites choses, et puis bah, vous savez, quand on fait le ménage, je me dis tiens, je vais mettre la musique, donc je demande à Google de mettre la musique, mais Google, bah, il peut pas mettre la musique s'il n'y a pas le wifi. Donc voilà, plein de petites choses comme ça qui ont fait que je me suis dit, c'est un peu galère cette histoire. Donc en début de matinée, j'appelle quand même Coriolis, qui est mon opérateur, et je lui dis ce qui se passe, et Coriolis me dit bah écoutez, on est au courant, vous n'êtes pas la seule à nous appeler ce matin, la panne a été remontée, ça devrait rentrer dans l'ordre à peu près, on va dire, dans la journée. Ok, pas de souci. Donc j'attends 17h, je rappelle, parce que le service client était ouvert jusqu'à 18h, et j'explique mon cas encore une fois. La dame me dit oui oui, on est au courant, vous inquiétez pas, c'est en train de se faire, ça va être mis d'ici la fin de journée. Ok, donc bah, mon chéri arrive samedi soir, donc pas de télé, pas d'internet, rien que dalle. Bon, c'est pas grave, quand on est à deux, ça va. Mais bon, fallait un petit peu de musique, quoi, ça fait du bien, quand on, même si on papote et qu'on échange plein de trucs, mais avec la musique, c'est mieux. Donc on a fait avec un... Mon chéri est intelligent. On a fait avec un vieux PC, enfin avec le PC, il y avait de la musique dedans, donc on a fait avec ce qu'il y avait dedans. Et puis, bon, on verra bien, puis dimanche, on était invité, donc c'était pas encore bien méchant. Mais dimanche matin, toujours pas d'internet. Dimanche soir, on rentre, pas d'internet. Et là, je commence à me dire, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, j'aime pas ça du tout. Surtout que le lundi, vous le savez, je suis en mode vidéo et je dois charger des vidéos, etc. etc. Et là, je me suis dit, mince, c'est chiant, quoi. Et donc, ce matin, lundi matin, j'appelle le service. Ils me disent, oui, oui, il y a de plus en plus de gens qui nous appellent à ce sujet et on est au courant, ça remonte, voilà. Et je lui dis, mais attendez, moi, je travaille sur les réseaux, j'ai besoin d'internet, etc. Et la nana me dit, ah bon, vous êtes youtubeuse? Je lui dis, oui. Elle me dit, ah, je suis beaucoup youtubeuse, vous êtes qui et tout? Donc, je lui dis mon nom de YouTube. Ah, je suis une abonnée, machin et tout. Donc, elle me dit, écoutez, je vais essayer de faire le nécessaire, je vais essayer de pousser le truc. Donc, je sais pas si ça a marché ou si ça a pas marché. Bref, toujours est-il que femme matinée, je vais chez ma maman parce que ma maman avait internet. J'avais filmé une vidéo, donc comme j'ai eu l'esthéticienne ce matin, j'avais filmé une vidéo avant que l'esthéticienne arrive. J'ai eu l'esthéticienne et après j'avais dit à ma maman, je viendrai manger avec toi, comme ça je me servirai de ta connexion internet. Donc j'ai monté la vidéo chez ma maman, je l'ai mis en ligne et j'étais dans un état mais énervée comme pas possible. Oui, il me faut pas grand chose. Et bah en même temps c'est chiant parce que j'avais des choses à faire pour la société aussi, des mails à répondre, et je ne pouvais pas du tout le faire. Et c'est vrai que c'est un peu gonflant, quoi. Et donc quand je suis rentrée à 15h, internet était revenu, donc j'étais hyper contente. Et contente parce que bah, ça me permet de vivre ma vie aussi au quotidien, de faire ce que j'ai à faire, mais aussi parce que pour vous, quoi, parce que c'est important d'avoir les réseaux et tout ça, et que voilà. Mais voilà, c'était mon petit énervement du week-end et de ce matin, et ma mère me dit, mais calme-toi, tout va bien se passer ma chérie, c'est pas grave, ça va revenir, t'inquiète pas. Et je lui dis, ouais, mais c'est chiant, machin, donc je râle et tout. Elle dit, bon, elle est en mode râleuse, laissons-la râler. Et quand je suis revenue, j'ai envoyé un message en disant internet revenu, elle me dit, qu'est-ce que maman t'avait dit? Qu'est-ce que maman m'avait dit? Voilà.
Et en plus, j'avais des commandes à passer pour ma crème de jour, mon contour des yeux, pour mon fond de teint, etc., etc. Et de la maison, je pouvais rien faire, quoi. Donc, oui, c'était chiant. C'était très chiant. Bref, c'était mon moment à l'âge. Hier, on a passé une super journée. On a été invité par Betty pour ses 60 ans. Et c'était super agréable, super moment avec, avec sa famille et tout. Franchement, c'était vraiment un super, super moment qui m'a beaucoup plu et qui a beaucoup plu à mon chéri aussi. Donc, c'est cool. Le temps aujourd'hui, bah, écoutez, c'est un temps d'automne. Hein. Il fait pas très, très beau. C'est grisouille. Donc voilà, j'ai pu enfin remettre le chauffage la semaine dernière. Oui, j'ai pas fait de vlog la semaine dernière. J'ai enfin pu remettre le chauffage la semaine dernière. J'ai regardé quand même ce que j'ai en vlog parce que je crois que j'ai dû filmer quelques trucs. Il faut que je vois. Et puis voilà quoi. La vie prend son cours tout doucement. Voilà, je me pose, je vais bien, petit à petit, vous savez, reprendre des habitudes, reprendre des rythmes, reprendre le fait de se faire à manger seul le soir, reprendre tout ça, parce que clairement, pour en avoir discuté avec certaines d'entre vous qui sont également séparées depuis quelques temps, bah, c'est pas évident, hein. Bon après quand on a des enfants et tout ça c'est différent parce que on doit le faire pour eux, etc., etc., mais quand on est vraiment seul, c'est pas évident de reprendre ce rythme... ce rythme de vie, de se faire à manger, de se faire des choses comme ça, etc., etc. Mais je prends mon rythme petit à petit et tout va bien. Donc écoutez, je vais bien, tout va bien. Je suis gay, tout me plaît. Non, pas vraiment, mais c'est pas grave. Et puis, bah écoutez, la semaine aujourd'hui, bah c'est maison. Là, faut que je voie pour vous tourner encore une ou deux vidéos. Et il est déjà 17h, donc faut que je me mine les fesses. Et puis voilà quoi. Doucement mais sûrement, mais on avance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus bien, mais écoutez, ça doit pas être très intéressant si je ne pense pas vous le dire. Je ne sais plus, c'est pas grave. Allez, coucou, je vous dis à tout à l'heure. Comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. On est samedi, oui, je sais, je vous ai lamentablement laissé tomber cette semaine. Il est 10h05 et je vais monter dans le bureau pour faire ma compta. Donc, cette semaine, je vous ai laissé lundi. J'ai pas eu le temps de vous prendre... Quand je rentre du boulot, je suis crevée, je suis fatiguée et j'ai qu'une envie, c'est de me poser. Bien souvent, je rentre, il est 19h passé, j'ai juste envie de me poser, de me reposer tout simplement. Donc voilà, vous avez vu cette semaine, vous n'avez pas eu de vlog, donc je pense que les vlogs seraient une semaine sur deux. J'essaie de m'adapter, c'est pas forcément toujours évident et puis voilà quoi, tout doucement mais sûrement, on va bien. Ce week-end, c'est week-end à la maison. Si tout se déroule comme prévu, c'est week-end à la maison. Et donc voilà, plein de choses à faire. Faut que je fasse mon ménage, faut que je fasse de la compta. J'ai des choses aussi à faire au niveau rangement, au tri, etc., etc. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous les papiers. Je monte dans le bureau pour faire la compta du mois de septembre de la société. Et puis après, on verra bien. Voilà, sinon tout se passe bien, le soleil est là, il fait beau. Voilà, tout simplement. Bon bah écoutez, je vous laisse, je vais bosser et puis on se retrouve tout à l'heure. Coucou, on est dimanche, il est 15h50 bientôt. Hier je vous ai lamentablement lâché parce que je n'ai pas arrêté de la journée. Je sais, c'est très compliqué, vous êtes beaucoup à venir me dire qu'on ne me voit pas plus beaucoup en ce moment. Mais en fait je prends du temps pour moi. Voilà, tout simplement, pour ma maison, etc. Hier, j'ai tondu la pelouse parce que ça en avait vraiment besoin. Il y a petite birdie qui est là au soleil. Il fait très beau aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai la fenêtre ouverte. Je ne sais pas si vous allez voir. Et la fenêtre ouverte, il fait super beau. C'est très agréable. Donc hier, j'ai pris du temps pour moi. J'ai tondu la pelouse, j'ai fait quelques petites choses qu'il y avait à faire dans la maison. Puis j'ai profité, voilà, profité de ma soirée tranquillement. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai décidé de faire des choses seule. Et je suis allée au rassemblement Karen Cher à Amiens. On y allait de temps en temps avec mon ex-mari. Et puis ce matin, je me suis dit, écoute, t'aimes bien, donc tu y vas, même si t'es seule. Donc j'y suis allée, c'était hyper agréable, il faisait super beau en plus, donc c'était cool. Après, je suis rentrée et je me suis posée tranquillement. Je viens d'allumer la télé, ça fait bien 3 semaines que j'ai pas allumé la télé. Je suis pas télé moi, mais là cet après-midi j'avais vraiment envie de me poser, vous savez, et de me retrouver moi, et de voilà, de. En fait, je suis quelqu'un qui est beaucoup à jamais me poser, voilà, à beaucoup faire des choses, et je me pose pas. Et là cet après-midi j'avais envie de me poser, donc j'étais en train de couper mes ongles de pied, d'enlever le vernis et éventuellement d'en remettre. Voilà, vous voyez, faire des petites choses pour moi qui me font du bien, qui me font plaisir et qui m'apaisent en fait.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Écoutez, rien de spécial, mais en attendant, je vais continuer à faire mes ongles de pied. Les ongles de main, je les ai fait hier, donc pas de souci. Et puis après, je passerai un petit coup d'aspi, je remettrai un peu tout ce que j'ai laissé traîner en plat dans la maison, voilà, pour que demain, je sois au taquet pour vous tourner des vidéos. Mais je vous reprendrai d'ici la fin de la semaine, de la journée. Mais je vais m'occuper de mes ongles. Allez, je continue. Coucou! Je m'étouffe. Pardon. J'étais tellement enjouée de vous dire coucou que je m'étouffe. Je vous retrouve, on est lundi. Donc je vais finir ce vlog là. Je ne sais pas s'il sera long, s'il sera court. Et ben écoutez, j'ai beaucoup lu vos commentaires la semaine dernière et je me suis dit, vous êtes beaucoup à me dire parce que j'ai pas mis de vlog la semaine dernière et vous avez beaucoup à me dire tu nous manques, etc. J'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram aussi qui me disaient tu nous manques, etc. etc. Et j'ai décidé de, quoi qu'il arrive, même si les vlogs sont courts, de les mettre en ligne quand même parce que ben, je vous parle un petit peu, même si je vous parle pas. Téléphone? Qu'est-ce que c'est donc? Il sonne rarement le fixe alors. Oh, ça c'est des conneries. Bon, on va le laisser finir, hein. Il va s'arrêter. Oui, donc je vous disais, voilà, c'est fini. Je vous disais que oui, j'ai décidé de mettre les vlogs en ligne, même s'ils sont courts, parce que je sais que vous êtes beaucoup à me dire que bah, vous avez envie de me voir, vous avez envie de m'entendre, et que ça vous fait du bien aussi. Je sais pas si vous avez entendu, mais c'était très étrange ce qui se passait dans le téléphone. Ok, c'est pas grave. Je pense que le monsieur était dépité et qu'il était un peu malade. Bref. Oui, donc je disais donc, on va reprendre les esprits, que j'avais décidé de remettre les vlogs de mettre les vlogs en ligne, même s'ils étaient courts, parce que bah, ça vous fait du bien aussi. Je sais que c'est compliqué. Enfin. C'est compliqué pour moi en ce moment parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai du mal à reprendre le vlog, j'ai du mal à reprendre tout ça. Je sais pas pourquoi. Alors peut-être parce que c'est parce que j'évolue de façon différente et que je vois de façon différente et que du coup j'ai plus le même engouement à vous parler en vlog. Mais c'est pas que j'ai plus le même engouement, c'est que j'ai moins de temps en fait, tout simplement. Je n'arrête pas de courir à droite à gauche. Je vis une vie à 100 à l'heure en fait. J'aime la vie que je vis à 100 à l'heure, mais c'est vrai que c'est pas forcément toujours évident. Alors certaines vont dire oui, tu radotes, tu dis toujours la même chose. Mais en fait, je sais pas comment vous expliquer que j'ai envie, mais je n'ai pas le temps. C'est dur, hein. C'est très dur. Des moments, j'ai envie de retrouver le temps que j'avais pour faire des vlogs parce que j'adorais ça. Et des moments, je me dis, mais c'est pas possible quoi, je rentre, je suis crevée et j'ai pas le temps. Bref, toujours est-il que, comme je vous l'ai dit, vous aurez toujours des petits vlogs, même s'ils sont tout petits, bah écoutez, je les mettrai en ligne. Je vais essayer de faire de mon mieux, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Au pire, il y en aura un tous les 15 jours, au pire, il y en aura un tous les semaines, je sais pas. Mais je fais de mon mieux, voilà. En attendant, j'ai mes deux vidéos pour cette semaine, donc ça c'est cool. Si je peux en tourner plus aujourd'hui, j'aurai de l'avance pour les semaines d'après, donc ça c'est cool aussi. J'ai plein d'idées qui fusent, donc. Je vais voir ça, je vais voir ça. Allez, je vous laisse et je vais commencer à monter mes vidéos pour la journée.